Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée. Non, ce n'est pas de rêve que l'on vit, mais de glaive. On se crève le cul. Je vous cite Jésus, s'adressant à tous les cocus de Jérusalem. Que dit-il en substance ? Si vous n'adhérez pas à la force de mes valeurs, je forcerai votre adhésion à mes valeurs, à mes convictions. Et qu'on le veuille ou pas, la foi a toujours été un combat. D'abord entre soi et soi-même. Puis contre les mêmes et contre les autres. Car on ne peut pas vaincre sans convaincre. Convaincre, cela va de soi. Hegel appelait ça l'ardent désir de reconnaissance. Et si tu ne vois pas la force qui m'anime, je te forcerai à la voir. Ce n'est pas difficile à concevoir. Et depuis Jésus, on le sait, la paix n'est jamais acquise. Elle est seulement requise. Il faut sans cesse l'acquérir, la conquérir. Au lieu de la chérir, pour échapper aux remords et au repentir. Eh bien, cette évidence est aussi admise par l'islam. Parce que la vérité pour l'âme a toujours été le chemin le plus difficile. Et toute foi qui y adhère est tentée de forcer l'adhésion. Parfois d'exprimer avec une certaine rage sa volonté de partage avec le même message sous-jacent. Dieu est Dieu. Nom de Dieu. Pour celui qui plante un pieu, comme pour celui qui lève au ciel ses yeux. Maintenant, que dit le musulman à qui on reproche sa soumission? Il dit tout simplement qu'on ne peut pas forcer la main du destin. Ou alors en vain. Devine ce que cela veut dire. Rien d'autre qu'une approbation de la force divine devant laquelle je m'incline. C'est violent. Un vent puissance haine. Et il ne sert à rien d'aller contre le vent, contre l'évident. Il faut s'y soumettre, s'efforcer d'être avec, se faire violence. Et faire violence à tous ceux qui te reprochent de te soumettre pour mieux te soumettre. C'est l'âme, et non le drame de l'islam, que de ne pouvoir avoir d'autre passion que la religion. Le partage absolu.